Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Il est pardon, 10h20. Il est tôt. Du coup, aujourd'hui, ça fait une journée très chill, donc je sais pas trop ce que j'ai filmé. Mais let's go. Donc, je déteste, il y a encore une visite chez moi, sauf que je suis encore en train de taffer. Sauf que d'habitude, tu vois, c'est genre des gens de l'âge de mes parents. Là, il y a un mec de mon âge et je suis habillé comme ça. Je déteste. Genre, vous savez, les gens de mon âge, l'anxiété de d'être dans la même pièce que quelqu'un de mon âge. Ah, j'aime pas. Je vais me mettre derrière. Du coup, ils sont passés dans le jardin, j'étais gêné au max. D'ailleurs, quand vous visitez ma maison, merci de me dire bonjour. Je suis pas un meuble. Donc, la politesse, on vous l'a prise ou quoi? Du coup, là, je vais m'habiller et je vais aller acheter une partie du cadeau de fête des mères de ma mère. Mission bouquet réussie. Maintenant, une autre mission, déjà ça va être de le ramener sur les réseaux sur la binette, faire un vent de fou, et pas que ma mère le voit. Non! On a eu une phase où on a vu ce rayon, et d'un coup, on avait les pistolets à eau. Apolline, elle a fait la bulle, ensuite sable magique. Ah, mais attends, j'en ai deux. Et pistolet à eau. À la base, on était sur un après-midi. Non, mais vous inquiétez pas, on est majeur. Oui, et là, c'est. Ouais. Oui, en plus. Imagine. Là, c'est la séquence fun du vlog. Un max de fun. Là, j'ai ma sérotonine. Voilà. On mate des abdos un peu. Sup. Oh. Oh. Attends. Putain, j'ai vraiment mis mon gros doigt sur ta caméra. Oh non, il est vide. Guys, j'espère que vous allez bien. Il est 11h. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Et devinez quoi? On a perçu le cadeau. Ça m'énerve. Moi, j'en rigole un peu, mais ça me saoule de ouf. Genre, je sais pas, Amazon, tout est une date. On paye pour Amazon Prime. Respectez la date. Surtout en cette période. Period. Titouan, il est en train de manger le verre de terre. Ah, le verre de terre, il a l'air de souffrir. Le nouveau pisciniste. C'est moi, le nouveau pisciniste. C'est pas très propre. Ah, si je peux me permettre. Jérôme. What's in my barbecue? Yes, yes. Miam miam. Ça veut dire qu'est-ce qu'il y a dans mon barbecue? Ah ben, brochette de poulet, merguez, saucisse et andouillette. C'est pas du tout l'accent anglais en fait, tout foiré. Il y a un... Oh, aujourd'hui? Y'a pas un truc aujourd'hui? Quoi, c'est la fête des mères? Mais t'as oublié tout à l'heure. Ah, je t'ai pas dit que je fais une fête des mères. T'as fait tous les jours. Ils me disent ce matin, tu vas pleurer hein, parce que je suis pas. Ou je dis certainement. Je vais sûrement faire la fête. Vous avez pleuré moi quand je suis parti? Non, pourquoi? C'est pas une mauvaise fête. Ah, vous me stressez, vous me stressez! Regardez, mais bête. Tu pues de la gueule. Ouais, vas-y, dégage. Ça se sent à travers la caméra. Allez chercher le bouquet de fleurs pour ma mère. Je dis que j'avais oublié mon dessert. Du coup, je vais dire, oh, j'ai au frigo. Donc là, en plus, mon père, il l'a caché dans un endroit. Là, c'est l'atelier de mon papa. Bah, ça s'allume ou pas? Et là, il y a une plaque secrète. Hop. Tadam. Moi, j'aime bien le blanc. Ok. Regardez comment il est frais. Miniature. Et j'ai rajouté un petit papier. Bonne fête maman. Et en fait c'est le livre. J'ai commandé un livre mais il est en retard. Il devait arriver ce matin. En fait il arrive cet après-midi. Mais ils nous l'ont dit que ce matin. Ah bah il devait pas arriver aujourd'hui. Bonne fête maman. C'est gentil. Ce sera pour le goûter. Il arrive. Mais bon, j'ai vu que la curiosité est un bien grand défaut, Alexandra. Ouais, ton petit sourire en coin. Tes onglets Amazon, je te déconnecte, tu te reconnectes. Et le soir, j'enlève tes onglets et je vois que t'es connecté sur Amazon. C'est bizarre, il me redemande ma vie. Oui, bon, étant donné que c'est moi qui me suis commandé. Quoi? Oh, mais j'aime pas mentir. Oh, menteur. Juste comme ouais, je voulais ça. Ouais. Comment il a posé? Oui, 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 oui. Mais pourquoi tu poses le bouquet sur le fauteuil? Bah sur la table. Salut.
suis ravagé. Non mais vas-y, arrête. Oui, on arrête vous. Oh, viens ma Golda, viens. Oh, non, le Golda il était trop. Oui, mais ça c'est bon point pour lire. Et moi j'essaye. Oh, oh, rien de libre. T'as tout mangé toi. Tu. Nanana, cocktail Kokomo. Oh, voilà, je suis en photo. Voilà, comme vous pouvez le voir, enfin non, vous pouvez pas le voir, mais maintenant vous le voyez, ma valise est presque prête. Pardon. Je pars dans genre 15 minutes. J'ai grave pas envie de partir. Je me contrarie en plus. Les gens me contrarient. Les gens me. Les gens me sortent par les yeux. Ça me pète la race. Genre mon œil, ça se voit pas, mais il est rouge, il pleure. Mais ça fait deux fois là, j'essaie de mettre ma lentille, je sais pas, elle me brûle. En fait, j'ai regardé, elle est un peu tordue. Je crois que je vais mettre mes lunettes parce que là, ça me pète la race. Là, va super bien, mais alors l'autre. Je suis ému. Bon, je vais mettre mes lunettes parce que là. Oui. On est à voiture, ça, Lily là. Oh ah, attends, regarde. On s'est planté. Merde. Oh là là, on est loin. C'est la voiture que c'est. Oui. Je viens d'arriver à Paris avec du Jaguar dans les oreilles. Oh, ma machine à laver elle restait allumée. Sauf que là j'arrive sur un décès. Ma carotte. Pourtant je lui avais mis full d'eau et tout. Mais she's dead. Mais elle est pas sèche. Donc il y a moyen de rattraper. Enfin d'après moi. Je suis pas. On va lui en mettre beaucoup. Hop. Au max. Les plantes elles sont un peu dramatiques. Qu'on se dit. Les plantes c'est un peu des drama queens. En même temps nous aussi. Elles font un peu cinéma de rien quoi. Moi je vais défaire ma valise. Et oh, c'est beau! Il y a une gourde, qu'est-ce que c'est? Je cherche une gourde. Ah, si c'est une gourde de café, ça me dégoûte. Parce que moi, je fais du café au lait. Ouh! C'est pas du café. Quelque chose de un peu plus alcoolisé que du café. Ça m'a fait mal au nez quand j'ai sorti, ça m'a. Oh. Bon, les gars, il est minuit 30. Je suis grave en dilemme. Parce qu'en gros, vous savez, là, en ce moment, je dors juste avec la housse de couette parce qu'il fait chaud et tout. Sauf que là, ce soir, il fait froid. Mais du coup, j'ai un dilemme. Soit je dors couvert comme jamais, genre avec mon gros pyjama pilou-pilou, soit je remets la couette. Mais en même temps, je me dis, parce que c'est la pire chose, et puis minuit 30, j'ai la flemme de faire ça. Bon, je retrouve après quand j'aurai réfléchi. En fait, flemme du pyjama, genre, j'aime bien mon pyjama pilou-pilou, mais là, j'ai envie, genre, de sentir la couette et tout. Il est minuit 30 et je vais faire ça. J'ai vraiment, genre, la flemme. Mais ça vaut le coup. Les gars, j'ai vraiment de me réveiller. Je dormais pas, hein, mais du coup, il est genre 1h19, 1h20. Je vais me coucher, donc je vous souhaite une excellente journée, une excellente nuit, une excellente. Peu importe, d'ailleurs, vous regardez ce vlog. Et moi, je vais me coucher et vous recharger parce que. Allez, bisous.